Rémi, comme je disais à votre homologue en face, c'était un grand combat ce soir. Lui, je lui ai demandé qu'est-ce qui a basculé en sa défaveur. Et toi, qu'est-ce qui a basculé en ta faveur ce soir? Ouais, on était très déçus, très piqués, je pense, de la défaite de la semaine dernière. On a essayé de revenir sur des valeurs, on a discuté un petit peu jeudi, sur les valeurs de base du sport, de venir sur l'engagement du combat, de la solidarité. Voilà, je pense que la consigne a été respectée, on a vu une équipe qui s'est fait plaisir aussi sur le terrain, c'est revenir aussi à toutes ces bases-là du sport, c'est prendre du plaisir, on va prendre du plaisir par l'engagement, un engagement qu'on met sur le terrain ensemble. Je pense que c'est ce qu'on a vu aujourd'hui au-delà du match de handball. Il y a ce petit tournant là, vous êtes mené 12-13 en tout début de deuxième mi-temps, vous leur infligez un 4-0, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là vous leur avez fait mal? Ouais, bah, le but c'était de redémarrer très fort, hein. on a fait exprès de changer là, des joueurs sur les postes défensifs pour aller très vite sur du grand espace et les punir. On a eu peur que ça démarre pas parce qu'on a quelques petits échecs et puis on a continué, on a gardé le cap en début de deuxième et c'est ce qui a fait je pense la différence. Mais, on a pris 3-4 buts d'avance et après on a réussi à les conserver jusqu'à la fin. Il y a eu des choses intéressantes aussi dans le turnover. On a vu que Christopher pouvait jouer demi-centre assez efficacement. Oui, on l'a vu un petit peu la semaine dernière. On a essayé d'y travailler. On y travaille depuis 15 jours, 3 semaines à l'entraînement. Ben voilà, là, un petit peu la semaine dernière. Là, on a un peu plus travaillé cette semaine. Et même sur le grand espace, donc c'est intéressant. Par rapport au match de Libourne, tu compares comment ce soir? Est-ce que c'était mieux encore? Oui, c'était mieux. L'équipe aussi, ce qu'a proposé Rodez, je pense du haut niveau de tableau, vraiment. Bien sûr. Voilà, on a dû nous aussi mettre la barre très haute pour récupérer ce match-là et pas une petite victoire, plus 4 contre Rodez, même à la maison, ça reste une jolie victoire. Je vais te poser une question que je te pose depuis quelques semaines. Est-ce que tu penses que ça peut lancer quelque chose ce soir? Ben, on espère, on va à l'extérieur le week-end prochain. On sait que c'est pas toujours simple pour nous de se déplacer. Donc j'espère que le groupe a vu aussi que quand ils mettaient tous les ingrédients dedans, on était vraiment meilleurs. Donc à nous de reproduire pareil à l'extérieur. Je te remercie.